It's gonna be alright. Yeah, yeah. How can you tell? Yeah, yeah. Salut mes paillettes. Non, je rigole parce qu'il me fait rire. Je sais pas ce qu'il regarde. J'espère que vous allez bien. Ah, il a vu quelque chose. Il va sauter. Non. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour un haul dans mes pochettes. Comme vous pouvez le savoir, enfin, celles qui sont du moins sur le groupe Facebook le savent. Que du coup, j'ai craqué sur le blog 3030 de Allo, la collection Alloa. Et j'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Et j'ai commandé quelques petites babioles en plus. Voilà. On va sur le bureau tout de suite là. Et je vous montre. Donc, le carton n'est pas ouvert. On va l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir devant vous. C'est plutôt ça. Le truc. Après, je vais le descendre. Hein. C'est juste pour faire office de... Bon, par contre, je sais pas. J'arrive pas à... De la main gauche, j'arrive pas. Enfin, j'ai peur que ma main dérape et que je me coupe. Déjà que la main droite, ça m'arrive de me couper. Alors, vous imaginez. Alors, je crois qu'il est à l'envers. Ouais, il est à l'envers. Il est à l'envers. Mais bon, en gros, j'ai pas beaucoup de choses. Hein. Alors, j'ai le bloc, là. J'ai ça et j'ai ça. Je vous dis pas ce que c'est. Je vous montre tout ça. Alors, bon, bah, je vais commencer par le bloc. Puisque de toute façon, vous l'avez vu en petit. Ça devrait pas être gênant. Donc, on a cette carte-là. De la part de Perrine. Très sympa. Alors, j'ai pris ça aussi. Ah oui, c'est là. D'accord. Tout est là, en fait. On va découvrir tout ça. Maintenant, bon, la carte elle est partie avec. Donc j'adore l'odeur, ça sent bon. Alors j'ai pris cette planche de tampon de la marque Mes Petits Ciseaux. Et je crois que c'est la collection, la dernière, la Farniente. Je sais plus. Mais en tout cas, bah j'aimais bien. Oh là. Il y a des gens qui claquent les portes sur les balcons. J'ai pris pour cette petite... Bon, c'est une camionnette, mais moi, je vais prendre ça comme une voiture, en fait. J'ai trop des photos à scraper avec ce genre de... Quand on part en vacances, tout ça. Et après, tout ce qu'il y a, en fait... Slow life. J'adore slow life. Destination fun et happiness. Let's go. Home is where you park. C'est un peu pour le camping plutôt, vous voyez, mais bah justement, on est allé en camping. Peu importe la destination, l'essentiel est de prendre la route. J'aime bien, voilà, j'aime bien ce genre de petit tampon avec les mots et tout. Donc, il y a Nuki qui a débarqué. Donc voilà, pour ce tampon, j'ai pris cet acétate. Je l'avais pris déjà chez Kimidori. Je crois que c'est chez Kimidori que j'ai pris la collection. Je l'ai pris en une fois et je pensais l'avoir pris en deux fois. Donc, je l'ai repris sur le site dans mes pochettes. Comme ça, je l'aurai bien deux fois. Alors, je vais vous montrer les papiers. Par contre, je vais attendre que Nuki... Enfin, je vais faire descendre Nuki et j'arrive. Rien que là, déjà, en grand, ça donne pas la même chose. Hein. Il est vraiment... Bon, déjà, j'ai Nuki qui joue dans le carton. Il s'éclate. On va le laisser faire. Ça donne vraiment pas... C'est pas la même chose. Franchement, un bloc 30-30, c'est juste magnifique. Et c'est juste magnifique. Avant de vous montrer le bloc, je vais vous montrer... J'ai pris cette petite poubelle de bureau. Parce que moi, j'ai un truc... J'ai ça sur le bureau. Et alors, déjà, ça prend de la place parce que je le pose sur le bureau. Et c'est pas très pratique. Alors que ça, vous voyez, vous le mettez sur votre bureau comme ça. Et puis, hop, les papiers, bam, vous balancez tout. Ça va être plus simple, enfin, sur le bureau... Sous le bureau, justement. Ça prend pas de place dessus. C'est ma copine Laura, une espagnole, qui m'a conseillé de prendre ça. Puisqu'elle est là et elle me... Je sais pas pourquoi. Elle me dit, tu l'as ça? Je fais, bon, non, je l'ai pas me fait. Ben, prends-le, c'est bien. Et moi, comme je suis très influençable quand c'est elle, parce que c'est vrai qu'elle est de très bons conseils. Et non, ça fait un petit moment aussi qu'elle est dans mon panier. Ça fait un moment qu'elle me l'a dit. Je l'ai pas acheté tout de suite. J'ai réfléchi, mais à force de... Bah là, quand je me mets à scraper, je me rends compte que ouais, ce serait peut-être plus pratique. Et vu que j'avais pas mal de points de fidélité sur la boutique dans mes pochettes, et ben j'en ai profité. Voilà.
Merci aussi à vous parce que c'est grâce à vos parrainages que j'ai des points. Alors maintenant, je vais vous montrer ce bloc. Vous avez déjà vu le petit, on a les mêmes papiers, mais en grand, c'est tellement plus beau, je sais que j'arrête pas de le dire. En fait, on a 12 papiers double face et 24 papiers à une seule face, dans le sens où les 24 papiers, c'est les 12 fois 2, puisqu'on a, on a une page de chaque. Oui, logique. Alors, je vais prendre ceux qui sont... Normalement, ce sont les mêmes. Parce que parfois, on n'a pas les mêmes. C'est pour ça que je regarde. Mais non, je crois qu'il y en a des différents. Je vais tout vous montrer. Alors, je vais tout vous montrer en accéléré, je pense. Et en musique, en espérant que la lumière se soit correcte. Ouais, ça va. Bah en fait, si, ce sont les mêmes papiers. On a bien les 12 papiers double face et les 24 papiers une seule face. Mais ce sont les mêmes que les double faces. Enfin, vous avez compris. On a un double face, puis après, on a les deux. Donc voilà, donc ce sont les mêmes. Mais bon, je vous ai tout montré. Comme ça, au moins, c'est fait. Je reviens vous parler. Voilà pour ce petit haul. Bon, ça va. Hein. Bon, il manque un haul craftelier. Donc, ça devrait arriver demain, je pense, normalement. Là, on est jeudi. J'espère, parce que sinon, j'aime pas attendre. Mais bon, le haul craftelier, ce sont surtout des choses pour bricoler, hein, pour le bricolage. Voilà, des consommables, comme on dit, même si les papiers, c'est du consommable aussi, je trouve. Mais bon, en tout cas, vous avez compris. Et ah bah, il y avait le prix dessus. Ben, c'est bien, je vais pouvoir m'en servir. Et après, donc j'ai craftelier et Sibella Scrap. Là, ce sont des petits tampons que j'ai pris. J'ai été influencée un petit peu quand même par... Ah si, j'en ai un. J'ai été influencée par Aurore. De jolies créations, je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas. Et après, bah, c'est des trucs que j'avais longtemps... J'avais mis dans mon panier au départ, dans mes pochettes. Et il n'y en avait plus, c'était hors stock. Je suis allée voir sur le site de Sibella Scrap, que j'aime beaucoup aussi. Et il faut bien, voilà, pour mixer un peu, pour faire travailler toutes les boutiques, j'ai envie de vous dire. Moi, j'aime bien faire un peu tout, des commandes un petit peu partout pour varier. Et pour, bah, bien sûr, pour acheter ce que je veux aussi, mais... J'aime bien faire plaisir. Franchement, il y a beaucoup de boutiques que je trouve super et je ne peux pas choisir. Donc, enfin, si, au bout d'un moment, il faut choisir, mais je veux dire, j'aime bien varier. Mais encore, je me mets à parler, là. Je suis contente parce que je suis bientôt en vacances. J'ai une petite semaine de vacances, mais je pense que mon neveu va naître soit ce soir, soit demain, soit ce week-end. Il va arriver. Ma soeur, elle a des petites contractions. De toute façon, elle va à la clinique demain matin. Parce que demain, c'est le terme. Donc, demain, vendredi 30, c'est le terme. J'ai trop hâte de voir sa bouille à ce petit neveu. Mais vous... j'ai trop envie de voir sa bouille. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai déjà assez parlé. Bon, ça va pas durer trop longtemps, je sais. C'est pour ça que je me permets de parler. Et là, j'ai une envie de faire un live. Mais non. Je suis fatiguée. Je vais pas faire un live tout de suite. De toute façon, il n'y aura personne parce que vous êtes en vacances. Et vous avez raison. Profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez bien en faisant attention au Covid quand même. Et oui, bah oui, il faut le dire à un moment, c'est vrai. Mais non, profitez surtout, prenez du temps pour vous. Et puis bah, le scrap, ce sera pour la rentrée, pour certaines. Hein. Même en vacances, on peut scraper, mais franchement, profitez. Profitez de vos proches, c'est très important. De profiter des gens que vous aimez et qui vous aiment. Voilà, c'était la petite minute nostalgie. Ça va bien. Je vous kiffe mes paillettes, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite et que je vous kiffe. Et Nuki, il est parti. Il joue dans le carton. À très vite, ciao. It's gonna be all